Te sens-tu sous l'emprise d'une personne de laquelle tu n'arrives pas à te détacher? Une personne qui obsède tes pensées, une personne peut-être dans ta sphère privée ou dans ta sphère professionnelle, dont tu es codépendante ou dont tu es dépendante pour te sentir bien. C'est-à-dire que c'est une personne qui finalement, au travers de son humeur, de ses remarques, du regard qu'elle pose sur toi, va t'animer dans le bon sens ou dans le mauvais sens et va faire que dont tu ne vas pas arriver à rester toi-même et arriver à avoir du plaisir à ne pas être en relation avec elle ou être dans une relation avec elle, mais qui soit une relation plaisante parce que tu sens qu'il y a une forme d'équilibre dans la relation. Si c'est le cas, c'est parce que tu es dépendant affectif. Et pourquoi tu es dépendant affectif? Parce que cette personne te donne de la valeur. C'est-à-dire que tu as un intérêt à ce que cette personne t'apprécie. Et quand elle t'apprécie pas, tu te sens pas bien, tu te sens vidé ou tu te sens pas considérée, pas importante. Et donc, ça vient d'un problème d'estime et d'appréciation personnelle, d'auto-validation, d'auto-appréciation. Tu te laisses trop valider par les personnes à l'extérieur, et notamment celle-ci, peut-être parce que tu lui as donné beaucoup de valeur, c'est-à-dire que tu t'es aussi donné beaucoup de valeur au travers de ses yeux à elle, et donc il n'y a plus d'équilibre des forces, j'ai envie de dire, entre toi et elle. Alors ça se change, ça se travaille. Tu peux avoir la possibilité, avec des méthodologies efficaces, puissantes, de PNL, d'hypnose, de coaching, de thérapie brève, de pouvoir changer, transformer cet état intérieur et transformer aussi tes comportements, ta façon de t'affirmer, ta façon d'être en assertivité vis-à-vis de cette personne. Et c'est primordial si jamais tu veux retrouver ta liberté et te réaliser personnellement. Alors moi, je suis qui? Je suis Guillaume Andreux. Je suis spécialiste du développement humain depuis plus de 12 ans. J'accompagne des personnes justement pour mieux gérer leur stress et surtout pour transformer leur conscience d'eux-mêmes et leur relation au monde et la façon dont elles peuvent se réaliser, dont elles peuvent s'épanouir dans le monde, soit personnel, soit professionnel, dans le domaine de vie qui est important pour elles. Et j'ai développé des stratégies, j'ai développé des outils que je peux mettre à ton service. Alors si jamais tu as envie que ça change, si jamais tu as envie que ça évolue, si jamais tu veux sortir de cette emprise, de cette dépendance à l'égard de quelqu'un pour retrouver une forme de liberté intérieure et te sentir bien, te sentir en amour, te sentir avoir de l'estime pour toi-même, malgré que cette personne pense ceci ou cela de toi, alors tu peux me contacter et on travaillera ensemble pour t'aider à ce que ça se transforme et à ce que tu te sentes beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise dans ta peau.